Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. C'est Yannick et aujourd'hui, pour cette 149e émission, je vous propose une interview exclusive d'une des figures les plus marquantes du jeu vidéo français. Alors, pour des questions d'anonymat, elle n'a pas voulu apparaître à visage découvert, donc vous ne verrez pas son visage et sa voix sera modifiée. Toutefois, voilà, je pense que les questions seront assez équivoques pour qu'on puisse passer un moment très agréable et unique hein, dans l'histoire de la chaîne des Chers Players. C'est une interview sans langue de bois où beaucoup de dessous de l'industrie vont être évoqués et je pense que cette interview va lancer quelques pavés dans la mare. Pour des questions d'anonymat, j'appellerai donc mon invité Armand. Et Oui. voilà, donc bonsoir Armand, comment allez-vous? On se tutoie, on se vouvoie? Bah écoute, je pense qu'on peut, on peut solennellement se tutoyer parce que c'est vrai qu'on a eu droit à quelques échanges. Ah putain! Merde, t'étais parfait toi, t'avais fait l'introduction parfaite. Merde, je suis désolé. Non, non, c'est pour ce moment-là. Ça, on le garde pour le bêtisier. On le garde pour le bêtisier, ça. Ouais. Je suis désolé. C'est pas possible, non, c'est pas grave. Putain, je sais même plus ce que j'ai dit. Il faut pas que je te regarde en fait. Putain, faut pas que je te regarde. Non, mais regarde autre chose. Oui, oui, oui. T'inquiète. Moi, je peux te regarder ça. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 149e émission des Chers Players. Une émission très particulière puisque je reçois une tête pensante de l'industrie du jeu vidéo en France, quelqu'un à la grande notoriété qui a voulu pour cet entretien exclusif rester anonyme. C'est pourquoi vous ne verrez pas son visage et sa voix sera modifiée pour des questions de confidentialité. C'est pour cela aussi que je l'appellerai Armand. Ah putain, c'est pas vrai quoi. Putain, j'ai la gueule de Booba dans le lit là, quoi, clairement. Ah putain. Oh putain. Oh là là, c'est pas vrai, non mais c'est trop bon de rire quoi, ça fait ah trop ouais. du bien. Allez. Mais une fois qu'on sera lancé, ça va aller, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le début le plus dur. De toute façon, au pire, s'il y en a un qui a envie de rire, il mute vite le micro et ouais. il fait semblant de tousser, quoi. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Yannick. Bienvenue pour cette 149e émission des Chers Players. Une émission très particulière, puisque je reçois une tête pensante de l'industrie du jeu vidéo en France. C'est un personnage très connu qui a voulu, pour cette interview, balancer beaucoup de choses sur l'industrie et c'est pour ça qu'il va avancer à visage masqué. Son image sera donc floutée pour vous, sa voix modifiée et pour des raisons de confidentialité, j'ai choisi de l'appeler... Ah merde, je pensais que tu l'avais, la merde. Ah, je l'avais, c'est l'armement qui me fait trop rire en fait. Ah putain, putain, c'est au pire, bon. Attends... Non, non, mais ça va aller, ça va non, aller, non, ça va aller. Au pire, tu me demandes à moi comment tu veux qu'on m'appelle, tu vois. Ouais, au pire, t'inquiète, mais ça va aller, c'est... ça nous fera des rushs qu'on les mettra en bêtisier. Moi, ouais, j'ai chaud, quoi, ça me donne chaud. Moi aussi, putain, j'ai chaud avec ma veste et tout. C'est tellement dommage que t'es pas à boire, quand même. Putain, ça aurait été pire, quoi. Ah ouais, non, non, c'est clair. Mais attends, j'ai peut-être un truc, mais... c'est du vin rouge, franchement, j'ai mal au ventre ah, et tout. Ah ouais, non, 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 alors te force pas. Bonjour à tous, c'est Yannick. Bienvenue sur la chaîne des Chers Players. Pour cette 149e émission, je reçois un invité prestigieux qui a choisi d'avancer masse... Ah non, attends, je le refais. Vas-y. Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des Chers Players. Pour cette 149e émission, je reçois un invité prestigieux, une figure mythique du jeu vidéo en France qui a choisi les Chers Players pour pouvoir s'exprimer librement sur le média et sur la situation du jeu vidéo en France. Pour des raisons de confidentialité, il a choisi d'avancer à visage masqué, c'est pour ça que vous ne verrez pas son image et que sa voix sera modifiée. J'ai choisi de l'appeler Armand. Bonsoir Armand, comment allez-vous? Bonsoir Yannick, ben bonsoir à tous les chers players. Écoute, je suis très... Alors tu me diras si... Enfin du coup, je t'ai tutoyé sans prendre le soin de te demander si ça te dérange pas. Non, tout à fait, ça ne me dérange pas.
Très bien, donc bon, bonjour à toi Yannick et bonjour à tous les chers players. Je suis assez très content d'être ici ce soir. Alors je m'excuse par avance, tu m'avais envoyé une première invitation il y a peut-être de ça 3 ou 4 mois environ. J'étais extrêmement pris par mon travail personnel, par les remous qu'on a un peu connus aussi au sein du studio. Et j'ai pu consulter ton invitation que la semaine dernière. Et puis on a pu échanger un petit peu par mail, c'est pour ça que je pense que le tutoiement peut être autorisé, car on a pas mal sympathisé par mail, et je suis très heureux d'être ici ce soir en ta compagnie. Excusez-nous, on est un petit peu stressés, et c'est assez particulier. Alors, parce Armand a quand même l'habitude des interviews, mais pas dans ce cadre intimiste, et surtout ce soir il a l'intention vraiment de balancer beaucoup de choses sur le monde du jeu vidéo. Oui, tout à fait. Alors, pour des raisons juridiques que vous comprendrez tous, c'est pour ça tu avais soumis l'idée de flouter l'image. Et puis, on a pensé que c'était peut-être une bonne idée, effectivement, oui. Oui. Donc, j'essaierai de répondre... Je suis un petit peu ému, quand même, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions, mais j'ai rarement été intimidé par quelqu'un, et je dois avouer que vous m'intimidez beaucoup, Armand. J'ai même un peu du mal à vous tutoyer. Je vais essayer de me forcer. C'est nerveux. Donc, ne t'inquiète pas, ça va aller. Puis tu sais, en plus, moi, dans le milieu, j'ai beaucoup la bouteille. Donc, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup de détendre l'atmosphère de la sorte. Je vais essayer de faire des étirements d'épaule pour me détendre. Oui, tout à fait. J'ai voulu bien m'habiller, hein. Voilà, c'est pas d'habitude, c'est pas du tout comme ça. Hein, ici, non, mais je vais être tout à fait franc avec toi. Je connaissais pas du tout votre chaîne, et puis c'est vrai que alors je sais qu'il y a quelques collaborateurs avec lesquels je travaille qui connaissaient vos travaux, mais du coup j'en ai fait de même, et j'ai pu esquisser quelques sourires, parce que c'est vrai que j'ai pu remarquer que le ton était assez libre. Et si je peux commencer par une petite anecdote, si tu me permets. Bien sûr, je vous le permets, Armand. Alors, ça m'a rappelé mes lointaines, maintenant, années de jeunesse, ou à l'époque, à la faculté, parce que j'ai suivi conjointement une fac de lettres et une fac de sciences, et avec des amis à moi, nous animions tous les samedis soirs une radio libre. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. On ne connaissait pas Internet, évidemment, et donc on avait piraté des émetteurs d'antenne pour rigoler un petit peu entre amis à travers des radios libres où on s'amusait à balancer un petit peu sur les copains et les copines. Et c'était un petit peu comme Brigitte Lahaye. Ou Diffoul, quelque chose. Vous permettez que je boive de la tisane? Ah, bien sûr, on peut même trinquer si tu le souhaites. Ah bah oui, trinquons alors à cette interview. Excusez-moi, je suis très très ému et mais ça va bien se passer. J'ai le trac. C'est rare, c'est la première fois en 149 émissions. J'ai le trac. Très bien à cette interview. Tchin-tchin. Et tout ça pour dire que nos radios libres que nous animions m'ont fait penser un petit peu dans le ton à vos émissions, j'avoue. Et c'est en grande partie pour ça, par nostalgie aussi de ces radios libres, que j'ai décidé de m'exprimer auprès de vous. Déjà, il faut savoir qu'en temps normal, j'accorde très très peu d'interviews. J'ai quelques amitiés avec des personnalités du milieu, mais ça reste là, ça reste dans un cercle assez fermé. Je crois qu'on a un ami commun. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je suis très touché par vos mots. C'est vrai qu'avec mon acolyte, qui a d'ailleurs un petit peu la même coupe de cheveux que vous, vous connaissez, si vous regardez un petit peu l'émission, peut-être que vous n'avez pas assez regardé, mais il y a beaucoup de blagues sur la capillarité de mon ami. Et malheureusement, il est très pris par sa vie personnelle. Il fera son retour l'année prochaine. Mais il vous embrasse. Il m'a d'ailleurs soumis quelques questions que je vous soumettrai plus tard. Et donc c'est un grand honneur encore, je le répète, de vous avoir, Armand, avec nous. Bah écoute, c'est un plaisir qui est partagé en tout cas. Donc vous faisiez cette radio libre, et comment êtes-vous rentré dans le jeu vidéo? Alors c'est une histoire un peu particulière.
Il faut savoir que j'ai toujours été fasciné par la, par la haute technologie. Du coup, voilà, je pensais que vous alliez dire par la haute du Père Noël. Alors aussi, finalement, c'est deux choses qui se rapprochent parce que les machines s'offrent souvent Noël. Donc j'ai toujours été un grand joueur de jeux vidéo. Je peux vous poser une question? Oui. Parce qu'on aborde le sujet, mais il est souvent de coutume pour les chefs d'entreprise, comme vous êtes actuellement, de se déguiser en Père Noël, justement, pour les Noëls. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Alors non, pas en Père Noël, mais j'avoue que parfois l'ambiance au sein du studio peut gagner en familiarité, en aspect assez intimiste. Il faut savoir quand même que quand on travaille sur un projet, on est ensemble, moi et mes collaborateurs, un grand nombre d'heures par jour et un grand nombre de semaines dans l'année et beaucoup d'années au sein même d'une décennie. Un développement de jeu actuellement prend... Et du coup, plusieurs décennies au sein d'un siècle. Oui, aussi, on peut le voir ainsi. D'accord. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, évidemment que des rapports intimes se créent au sein de notre entreprise, mais j'avouerai que j'aime pas trop ce terme d'entreprise. Pour moi, on est une famille. Et une famille, ça implique que forcément, outre la professionnalisation du média, on est aussi dans des rapports humains. Et les rapports humains peuvent parfois déborder au-delà du champ strict de la profession. Ce qui nous a valu, malheureusement, mon collaborateur principal et moi, quelques déboires il y a quelques mois en arrière. Fort heureusement, ceci fait partie du passé, parce que vraisemblablement, les faits qui étaient retenus à notre encontre ne relevaient pas directement de l'ordre juridique, parce que ça s'appliquait plutôt à une sphère intime qui est notre vision à nous du studio de développement de jeux vidéo, c'est-à-dire une grande famille avec qui nous partageons les bons, les mauvais moments. On a aussi beaucoup parlé, alors pas forcément pour nous, mais je pense que t'as entendu parler du crunch dont certains studios ont été victimes. Écoute, moi ça fait quand même depuis 3 ans que je me suis mis au sport et que j'essaie de mieux manger, ce qui fait que le crunch, j'en achète pas, pour être franc. Attends deux secondes, j'ai juste peur qu'on soit parti trop en couille dès le début en fait, et que je pense qu'on est trop grillé d'emblée. Ouais, je pense. Mais est-ce que c'est marrant ou il faut pas que je joue le mec stressé qui dit des trucs Alors un peu, mais pas trop non plus, tu vois. Je pense que parce que quelque part ça va paraître louche parce que tu parais justement comme un mec qui est sûr de lui, tu vois. Ok, je joue mon rôle de d'habitude. Ouais, joue ton rôle. Et à la limite, la blague du crunch, je peux la faire sur le ton de l'humour. Moi, je mange pas de crunch. Ouais, voilà. Mais on va dire que les 10 premières minutes. On soit vraiment comme si on interviewait David Cash, tu vois. Alors peut-être un peu stressé, ouais. Mais sérieux quand même. Et ok, que c'est ça... bon, je l'ai, pas de soucis. Je recommence alors du coup. Ok.